أعزائي التلاميذ، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو الجديد dans le plan mené d'un repère autonome OIG on considère le point A d'abscisse 1 et d'ordonnée 1 et D, la droite du coefficient directeur 3 et qui passe par le point A. La première question, c'est déterminer l'équation réduite de la droite D. Deuxième fait, vérifier que le point B 3 7 appartient à la droite D. Calculer la distance AB. Déterminer les coordonnées du point M, le milieu du segment AB. 4a, montrer que y égale à moins 1 tiers x plus 2 tiers et l'équation de la droite delta. La droite delta, la perpendiculaire à D qui passe par le point n moins 1, 1. La dernière question, c'est soit H le projeté orthogonal de N sur la droite D, déterminer le coordonnée de H. Donc l'oulidat waqful vidéo, faire pause cette vidéo, faire cet exercice et on passe à la correction. Donc déterminons l'équation réduite de la droite à D. Donc voilà, D, on écrit D ici. Donc Y égale, donc ça c'est l'équation de la droite. Et c'est écrit sous la forme AX plus B. Donc, AX plus B, il nous a dit, les données, que le coefficient directeur de la droite D égale à 3. Donc, ça veut dire que A dans ce cas égale à 3. Donc, Y égale à 3X plus B. Donc, maintenant, déterminons B. Donc, on va déterminer B. Puisque la droite, donc D, passe par le point A, alors aide les coordonnées de A, des coordonnées, vérifie cette équation. Donc ça c'est 1 qui se met au XA et c'est 1, c'est YA. Ça veut dire des coordonnées, donc les coordonnées de A, vérifie cette équation. Donc YA égale 3XA plus B. Donc on va remplacer YA par sa valeur qui est égale à 1 et XA qui est égale à aussi 1 dans ce cas. Donc 3 fois 1 plus B. Donc ça veut dire que 1 égale à 3 plus B. Dans ce cas, on peut écrire donc B égale à 1 moins 3. Donc c'est 1 moins 3 qui est égale à moins 2. Donc l'oulidat, voilà l'équation de la droite. Donc D, voilà, donc D égale à Y égale à 3X moins 2. Donc هكذا l'oulidat, بهذه الطريقة تخرجوا هاد لي زيكزارسيس. Donc nous avons ce L petit B. Il y a vérifié que B d'abscisse 3 et d'ordonnée 7 appartient à D. Ça veut dire quoi? On va vérifier que les coordonnées de B vérifient l'équation. Donc, on chauffe. Donc, on a D à l'équation égale à 3. Donc, c'est 3x moins 2. Donc, on va vérifier. Est-ce que 3 xb, on حسب دابها 3xb moins 2, نحسبها شحال هي, on شوف نقارنها مع yb. Donc, هذا هو challenge اللي غنعمل. Donc, 3 fois xb, donc on a xb c'est 3, donc 3 fois 3 moins 2, donc 3 fois 3 c'est 9, moins 2 c'est 7. yb c'est 7, donc c'est bien, donc ça c'est, ça il vérifie que B appartient à D. Alors, parce que YB il y a 3XB moins 2. On a vérifié YB c'est 7. 3 fois 3 moins 2. Attends,
l'équation pour P. Donc, nous voulons être une deuxième question. Il y a calculer la distance AB. Donc, par définition, nous voulons être une conflit le cours. Donc, la distance AB, donc, c'est la racine carrée de XB moins XA au carré plus YB moins YA au carré. Maintenant, je fais un mouchkil hati. Donc, XB, bien sûr, il y a 3. Donc, c'est 3 moins donc X1 qui est égal à 1 au carré et 1, le tout au carré, plus YB, c'est 7, moins YA, c'est 1. Donc, ça, c'est au carré. Donc, dans ce cas, il est égal. Donc, ça, c'est 2 au carré. Donc, 3 moins 2 au carré égal à 4, plus 7 moins 1, donc 6 au carré. Donc, c'est 36. Donc, c'est la racine carrée de 40. Donc, je peux écrire. Donc, ça, c'est la racine carrée de 4 fois la racine carrée de 10. Donc, racine carrée de 4 à 4 fois. Donc, c'est 2 fois racine de 10. Voilà la distance AB. Donc, on passe à la troisième question. Déterminer les coordonnées du point M, le milieu du segment AB. Donc, il y a, donc, M, c'est le milieu du segment AB. Ça veut dire que l'ordonnée, donc, l'abscisse de M s'écrit, donc, le détail flou court, donc, XM, randaya, XA plus XB sur 2. Et YM aussi, c'est YA plus YB sur 2. Donc, l'idée, elle est nardoa par cœur. Donc, XA, randaya, 1, XB, donc, comme XB, c'est 3 sur 2. Donc, 1 plus 3, donc 4 sur 2. Donc, attendez, il y a 2. Principal YB, pardon, YA, c'est toujours 1. Plus YB, c'est 7 sur 2. Donc, 8 sur 2 de 4. Voilà le point M. On a les coordonnées. Donc, c'est 2, 4. Donc, l'oulidate, on passe à la question numéro 4. Il m'a demandé de montrer que l'équation Y égale à moins 1 tiers X plus 2 tiers et l'équation de delta, cette droite delta, elle est perpendiculaire à D et passe par le point N d'abscisse moins 1 et d'ordonnée 1. Donc l'idée de Jagelier Naya montrer N a, yani Barhan N a, N a delta amoudi à la D. Delta عمودي على D هذه الإكواسيون ديالو يعني المعادلة ديالو المختصرة وأنه يمر من هذه النقطة هذه موانزا A دونك لوليدات أول شيء دونك on va vérifier هذا الشيء دونك on va vérifier bien sûr à la fin mais on va démontrer دونك delta دونك toute droite à une équation se forme toujours y égale à, on peut écrire ax plus b ou là a prime x, donc a prime x plus b prime, parce qu'on différencie entre a et b dans ce cas. Donc le lit d'être au chez m'écoute, donc adna delta perpendiculaire à d, elle est ratifié de neuf, elle la pente, elle le coefficient. Mais que qu'on a deux droites perpendiculaires, ok, perpendiculaires, alors que qu'on a le produit, il y a leur coefficient égal à moins 1. Donc a prime, le coefficient de delta fois le coefficient de d égale à moins 1. Donc, puisque D, bien sûr, il y a
3x. كنعرفوا ان ليكواسيون ديال سي 3x موان 2 الوغ كو هاد ا بريم فوا 3 عندنا ا هي 3 ايغال ا موان 1 دونك دون سو كا ا بريم راه كتساوي ليا موان 1 سور 3 فوالا ا بريم دابا حنا هنا وجدنا ا بريم دونك اون بي ايكريغ ايغريك ايغال موان 1 تيير بلوس بي بريم هادي هي ليكواسيون بيان سور موان 1 سا سي x بيان سور moins un tiers x plus b prime. Je gagne tenir les données. Là, je gagne là. Le delta passe par le point. Ça veut dire le point n. Vérifie l'équation. Les coordonnées vérifie l'équation. Ça veut dire que yn égale à moins un tiers xn plus b prime. Donc on a yn moins 1, pardon, yn qu'on a oud ha, bien, égale, moins 1 tiers, rendre oub ha, fad, xn, li hiya, moins 1, plus b prime. Dans ce cas, li ki hem ni hna, ou gana oujud had b prime, chal ket sawi. Donc, adna 1 égale, moins 1 tiers, fou moins 1 tiers, donc si 1 tiers. Donc, moins 1, fou moins 1, rassi. Donc, b prime, ach ket sawi li ya, donc b prime qu'est-ce que c'est 1 moins 1 tiers et là c'est tenir donc c'est 3 sur 3 moins 1 voilà donc à tenir 2 tiers donc lui date l'équation de cette droite donc c'est y égale moins 1 tiers x plus 2 tiers donc elle chez les trois minutes donc voilà. Donc, le leader nous donne 4b. Il m'a dit, voilà, soit h le projeté orthogonal de n sur la droite d, déterminer les coordonnées de h. Donc, le leader, donc, au volché, on a la droite n de l'ouahid. Donc, ça c'est d, par exemple, ça c'est la droite d, et delta. Perpendiculaire à D. Je te fais mon aïe. Donc, delta passe par le point N. Bien sûr. Adnaf les données. Donc, il nous a donné, il nous a mentionné que H est le projeté de N sur la droite D. Donc, voilà N, voilà H. Ça veut dire que H appartient à D et H aussi appartient à delta. Donc, ça veut dire H, donc H c'est l'intersection entre les deux droites. Ça veut dire on a D, voilà l'équation de D et l'équation de delta. Donc l'équation de D, donc c'est y égale à 3xh, pardon, 3x moins 2, voilà, et delta, donc c'est y égale à moins 1 tiers, x plus 2 tiers. Donc le délit, voilà, h appartient à D. Ça veut dire que yh, donc les coordonnées de h, vérifiez cette équation, égale 3xh moins 2. Donc, on a dit comme ça. On a aussi un h aussi appartient à delta, alors que yh égale moins 1 tiers xh plus 2 tiers. Donc, voilà. Donc, l'idée était dit. Donc, l'équation. Donc, le membre. Qu'est-ce que c'est le membre? Donc, je peux écrire une équation. Donc, 3xh moins 2 égale à 1 tiers xh plus 2, 2 tiers. Donc, l'idée est. Donc, j'ai 3xh plus 1 tiers xh égale, donc, il y a de moins 2, j'ai bien à tous les 2, plus 2 tiers. Donc, il y a, bien sûr, donc, 3 sur 3, donc, il y a 10xh
sur 3 égale, bien sûr, on a dit bien sûr, on a dit donc on a 8 sur 3. Donc 10xh est égal à 8. Donc xh égale donc 4 5. Voilà. Donc 8 sur 10 sera 13 le haut donc on a réduire à 4 5. Donc on a l'équation donc on a y égale à 3x. Donc, yh égale à 3xh moins 2. Donc, on a xh 4 cinquièmes. Donc, 3 fois 4 sur 5 moins 2. Donc, on a toujours 8. Et pardon, 12. 12 moins 10 sur 5. Il y a 2. Donc 2 tiers, 2 cinquièmes, pardon. Donc 2 cinquièmes. Donc l'olidette. Donc voilà, H, hein, les coordonnées d'Iola. Donc c'est 4 cinquièmes, 2 cinquièmes. Et là, on a intégré la vidéo. Donc, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.